jamais trop joué contre les Bretoniens, G. Paraîtrait que les paysans croquent sous la dent et que les chevaliers sont doués pour le blitz. C'est crucial, Bob. Qu'est-ce que ça fait? C'est important. Bon, bah, la Quen! On pose pas la question quand le terrain débouline maintenant. Quel est le problème, Bob? Une bouche d'honneur cloche dans mon café! Jouer au bloc.
Je suis censé dire quelque chose de marquant ou de spirituel? Je me demande souvent à quoi ressemblerait votre ball si on enlevait le ballon. Mais ce serait la guerre, Bob. Pas besoin d'aller au stade pour voir ça. Ouais, c'est pas fou. Yeah!
préfère rester seul. Les animaux mignons laissent parfois libre cours à leur côté sauvage. C'est une formation solide. Je demande à voir comment l'adversaire va subtiliser le ballon.
sont tout proches. Le combat paraît inévitable. On peut le calmer en lui gratouillant le ventre ou le menton. Ce joueur va se prendre un coup au-dessus de la ceinture.
Soutien. Complètement à plat. Quand est-ce qu'ils vont le remplacer? Je te vois venir gros comme une maison, Bob. Soufflez dans le ballon, hein? Pas question que je te relance là-dessus. J'ai... Ouais, t'es pas un joueur. Il ferait mieux de recruter des joueurs apprivoisés.
Il manque un squig gonflé comme une baudruche. Allez les gars, tous ensemble. Viennent au soutien de leur coéquipier. En sécurité. À l'autre équipe de prouver le contraire. Thank you.
Ce joueur préfère se battre entouré. Il faut se rapprocher jusqu'à sentir la lettre de l'adversaire et voir les insectes coller entre ses dents. Par les paloches des Neffel, Jim! Il s'attaque au portail! Thank you.
Bob, au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais? Ah, je l'attendais, celle-là. Je l'attendais. Non, mais, ne venez pas, sœur. Bon, bah, c'est déjà qu'un ballon, un truc qui bouge, il passe. Et le bon passeur? Le bon passeur? Eh bah, c'est le gars, il a un ballon, il voit un truc qui bouge, il passe, mais... Mais? C'est pas la même chose. Bon passeur égale mauvais passeur. You
Suffira-t-il à prendre le dessus? Même les animaux mignons laissent parfois libre cours à leur côté sauvage. Pas pour ça. Il faut se rapprocher jusqu'à sentir la laine de l'adversaire et voir les insectes coller entre ses dents. Ça cherche clairement le corps à corps.
gens sont plutôt doués pour éviter le contact. Ces joueurs sont tout proches. Le combat paraît inévitable.
Ça sent la bonne grosse empoignade. C'est le moment de vérité. Ce joueur va se prendre un coup dessus, en dessous de la ceinture. De mains, de griffes, de tentacules. Plutôt que lui donner un instant,
contrôle du ballon sera la clé de la victoire. Ce joueur est plutôt fier d'être resté dans le pour dire ce que je veux. Ça va me plaire. Ça va faire mal.
Bonne passe, ça se retire.
poignarde. Les joueurs sont tout proches. Le combat paraît inévitable. C'est les deux.
Cette formation permet d'avancer sans trop de risques. Ça va être dur de leur arracher le ballon. L'attaquant bénéficie de soutien.
rester des joueurs apprivoisés. Il s'acharne sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich.
jeunes qui ont l'air affamés. On peut le calmer en lui gratouillant le ventre ou le menton. Thank you.
Tout peut encore...